De toute façon, dans cette vie, le plus grand combat, c'est le combat contre soi-même. Déjà, c'est le plus grand combat. Je crois qu'elle ne peignait pas pour le bonheur. Peindre était douloureux, peindre était difficile. Peindre était une lutte perpétuelle. Berthe a 28 ans et la pression familiale s'accentue. Elle doit absolument se marier pour ne pas compromettre sa famille. Mais elle sait pertinemment qu'aucun homme n'épousera une femme qui ambitionne une carrière. C'est un moment de déchirement très douloureux pour Berthe, qui se retrouve seule dans son combat de femme, entourée d'hommes. Un genou à terre, mais pas deux. Une des choses les plus difficiles dans la vie est la décision de laisser partir ou d'essayer encore plus fort.